peuple de Dieu, au sein de la, au sein de la Ponamote, à Otimosika, pendant l'activité Naé, a fait déjà une semaine là, juste parce que il est venu dans une mission. Amen. Amen. Parce que juste, nous croyons qu'il nous a, il a aimé l'œuvre que nous avons commencée. Mm-hmm. Il n'est pas seulement venu parce qu'il est mon ami ou quoi, mais il est venu pour l'œuvre. Amen. Mm-hmm. Je déclare, heureux sont les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc, nous le recevons dans cette dimension-là. Non pas une dimension physique, mais une dimension spirituelle. Mm-hmm. Pour que nous soyons aussi bénis spirituellement selon les promesses de Dieu. Amen. Amen. C'est celui qui reçoit l'homme de Dieu en cette qualité. Sans tenir compte de ma faiblesse, de ma physique. En tant que tel, dans la Bible, la femme qui avait reçu Élisée, nous ne croyons pas qu'Élisée était toujours parfait. Parce que nous n'avons pas vécu avec Élisée tous les jours de sa vie. Nous ne connaissons pas Élisée. Mais les gens qui ont connu Élisée connaissent aussi ses faiblesses. Mais malgré ses faiblesses, il dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Amen. Amen. Paul, lui-même était saint. Mais quand il parle des fruits de la chair, fruits de l'esprit, vous voyez qu'il fait la différence. Et même dans son corps, même, il disait qu'il y avait la loi de la, de, donc, de la vie et la loi de la mort qui lui était. Il y avait le, la vie pour les péchés. Et la vie pour la sanctification. Les deux lois étant en train de lutter. Dans sa propre vie. Il était homme de Dieu. Bon, il a dit, est-ce que faudrait-il que nous puissions vivre sous la grâce, faisant le péché, parce que la grâce est là. Il dit, non. Nous devons vivre dans la sanctification. Faire la volonté de Dieu. Donc, nous recevons l'homme de Dieu dans cette dimension. Les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle. Les pieds qui marchent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a une promesse attachée. Amen. Amen. C'est ainsi que cette femme qui avait reçu Élisée, derrière cette réception, beaucoup de choses s'étaient accomplies. Amen. Amen. Donc, voyez un peu la dimension dans laquelle on doit recevoir les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons les choses spirituellement, Dieu qui est esprit nous bénit aussi. Amen. 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 Dans cette dimension. Amen. Nous voulons être spirituels. Les spirituels influencent beaucoup de choses. Amen. Il faut que nous puissions monter dans cette dimension où Dieu se trouve. Jésus a dit, il faut que là où je suis, que vous puissiez y être. Jésus n'est pas toujours physique. Il est maintenant spirituel. Nous voulons être là où Jésus est, soyons aussi spirituels. Amen. Ne restons pas physiques. Ne restons pas dans les corps. Ne restons pas dans les pensées du monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Bien que vivant dans le monde, nous sommes différents du monde. Peut-être que nous ne connaissons pas ce que nous sommes, ou nous connaissons ce que nous sommes, mais nous ne voyons pas la grandeur de ce que nous sommes. Mais un jour, Dieu pourra encore les révéler. Amen. Amen. Au moins, nous l'avons compris. Comment tu peux conduire des kilomètres, Alléluia. Amen. C'est que tu as compris. Amen. Amen. Donc nous sommes spirituels. Restons spirituels. Dieu nous bénira spirituellement aussi matériellement. Amen. Amen. C'est dans cette dimension-là que nous devons recevoir les choses. C'est pourquoi nous allons prier pour l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse, que Dieu fortifie encore, que Dieu utilise encore puissamment dans le ministère, que Dieu accomplisse aussi certains besoins en tant qu'homme dans sa vie qui ne sont pas encore accomplis. Que Dieu l'assiste, que Dieu l'élève encore. Amen. Amen. Et ce que je voulais encore dire, si la Bible déclare que celui qui donnerait ne fût-ce qu'un verre d'eau à cet enfant, parce qu'il est mon serviteur. Amen. Amen. C'est la promesse de Dieu. Si vous avez quelque chose, faites-le. Ne me parlez même pas. Amen. Amen. Faites-le, ne me parlez même pas. C'est ainsi que Dieu bénit. Nous ne voulons pas être une église ou une communauté d'enfants de Dieu où les pasteurs dominent sur les âmes. Non. Que le Saint-Esprit
domine sur les âmes. Mm. Que le Saint-Esprit vous conduise à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Faites ce que le Saint-Esprit vous pousse à faire pour votre propre bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons rentrer dans l'église où Jésus est Seigneur et Roi. Vous voyez? Pourquoi dans l'église des Actes des Apôtres, il y a des choses qui s'accomplissent? On dit qu'il n'y a même pas de pauvres au milieu des... Est-ce que Jésus a changé? Pourquoi il y a les pauvres dans les assemblées aujourd'hui? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Nous voulons rentrer dans cette vision de l'église. Amen. Amen. Où le pasteur est béni, mais les fidèles sont aussi bénis. Amen. Amen. Et pour être béni, ce sont les principes que nous vous donnons. Amen. Amen. Faites-les pour votre propre bénédiction. Ne nous parlez même pas. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Obéissons à Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Amen. Prions pour l'homme de Dieu. Bénissons-les au nom de Jésus. Merci.